Hier bonsoir. J'ai écouté tout le monde qui parlait au soir là, j'en ai tellement bien dit. En tout cas, discuter en semaine là avec un professionnel, un libéral qui est suspendu, comme il a dit. Et Adam, pourquoi il y a un auteur qui était apparemment intéressant, c'est qu'il a dit moins que je dis là, il parle de droit de travail parce qu'il n'a pas pris un petit là. Et pourtant, il n'a pas jamais tombé malade. Donc, voilà un bitin qui est extraordinaire. Si vous tombez malade et que vous avez un certificat comme quoi vous tombez malade, on doit travailler. Si on prend un petit là, on doit travailler. Mais si on pas jamais tombé malade, on doit travailler. Non, c'est extraordinaire parce qu'en fin de compte, normalement, un monde qui pas tombé malade, on doit dire, mais si c'est pauvre, en noir, il voit qui j'en ai saillé. Et peut-être nous pouvons faire tout le monde bénéficier de sa mounani, pourquoi pas? Eh bien non, si vous ne tombez pas malade, c'est que vous êtes malade, vous ne pouvez pas travailler. Et pour travailler, vous tombez malade. Mais dans cette situation-là, ça y est, nous. J'en dis là, les mounes qui étaient caponnés la vaccination obligatoire, qui étaient fait campagne de vaccination, ils ont tout le monde ne pas parler de ça encore. Ils ne pas parler de ça du tout. A pas parce qu'il y a l'Ukraine, bon, on va faire. Mais ils ont même déjà arrêté. Mais ça, t'as l'air là, camarade Clavier, t'es capable de la communauté hospitalière qui était mobilisée contre la violence. Mais rappelez-vous, ni quelques mois, ils ont qu'à faire des spots publicitaires, ils ont qu'à faire un article en journal, ils ont qu'à passer à la télé tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, pour te dire, monde, aille vacciner, aille vacciner, aille vacciner. C'est ça la solution qui vient, aille vacciner. Et au fil des mois, même collectif là, il était monté en CHU là, eh bien, il commençait à parler de violence. Ah ouais, il y a un montant collectif contre la violence. Dès la vaccination, il est passé à contre la violence. Et dernièrement, en lien au papier, il a fait sortir, quand il n'a pas lutté pour la démocratie. Il faut instaurer de nouveaux rapports en Guadeloupe pour faire vivre la démocratie. Mais ils ne finissent pas arriver à dire nous qu'ils ont envie de faire réellement. Puisque j'en dis là, tout le monde a rendu compte qu'ils ont couillonné nous, à part nous seulement, ils ont couillonné tout le monde sur la terre. Ils ont fait quoi? Que là où ils ont piqué, eh bien, on peut tomber malade. Ou tomber malade. Ils ont fait quoi? Que là où ils ont piqué là, on peut contaminer le monde. Ou pas contaminer le monde. Ils ont fait quoi? Que là où ils ont piqué là, rien ne peut pas arriver. Et pourtant, ça va continuer. Ou pas tomber malade. Et on peut j'y mort. Donc ça veut dire qu'ils ont couillonné le monde, ils ont trompé le monde. Et dans ces situations-là, ça, les gens qui ouvrent les yeux, les gens qui disent que nous n'avons pas de nous poser des questions, eh bien, ils traitent de complotistes. Ils disent qu'ils n'ont pas connaître, ils n'ont pas fait confiance à la science, ils n'ont pas connaître rien, ils n'ont pas connaître rien. Et ces gens-là, ça, ils ont le monde sur la terre qui dit ça, eh bien, nous ici, dans ces nous. Et pas ni rien, nous pas tant. Pas ni rien, ils n'ont pas dit nous. Pas ni pour mépris que nous pas ni. Mais il faut nous bien comprendre aussi les rapports que nous avons avec l'État français. Si nous te cassons les Ukrainiens, ça t'est arrivé. Ça t'est arrivé. Il faut nous comprendre ça aussi. Hein. Je dis là, nous ni avec l'État français en rapport de domination depuis toujours. Depuis toujours, ils ont vu nous comme des sujets, ils ont vu nous comme des créatures. Il aura autorisé, il aura dit nous ça, il aurait gens, il aurait à mépriser nous. T'as là les camarades font allusion à Mikarem. Préférez si c'est un peu ouais qu'il fait ça, il voulait. Et là on va garder les taux de positivité, là on va garder les taux d'incidence, là on va garder le taux de reproduction du virus. Nous plus baguions l'autre en France, nous plus baguions l'autre en France, mais non. Comme lui, c'est chef incident et qu'il n'y a pas de vacciner, mais il y a pire. Non? Eh bien, c'est pour ça, camarades. Nous, on est bon chimé là. Nous, on est bon chimé là. Et nous devons être conscients, même si c'est difficile, que depuis des mois que nous sans salaire, depuis des mois nous en souffrance, depuis des mois quand on va nous plomber, nous devons être ni en tête en nous que nous, on est bon chimé là. Pourquoi? Camarades, si demain les groupes à peau qui ont manifesté 4 descendants dans la rue là,
c'est parce qu'il y a une audace. Oui, mais c'est parce que nous tout bout depuis le 17 juillet. C'est parce que nous tout bout depuis le 17 juillet que nous pouvons chimer pour nous poser nos questions. Si Josie là, Rosbar, il va pas appliquer l'obligation vaccinale pour les pompiers. Il va pas appliquer l'obligation vaccinale pour nous qui travaillent dans l'action sociale et dans les PMI à dans Conseil général. S'il va pas appliquer non plus dans les structures que le Conseil général a financé, c'est parce qu'elle nous mobilise depuis le 17 juillet, parce qu'elle est soignante, parce qu'elle est pompier, parce qu'elle est travailleur médico-social, parce que les professionnels de santé mobilisés. Il faut nous bien comprendre, camarades, même si individuellement, situation nous pouvons régler, mais il y a l'autre situation qui a réglé, parce qu'elle nous debout. Si les restaurateurs qui ouvert sans passe sanitaire, si on pas jamais appliqué le passe vaccinal en Guadeloupe, si on pas jamais appliqué ni passe sanitaire, ni passe vaccinal, en les protégeant football, dans les collectivités, notamment les collectivités, les mairies, etc., c'est parce que les soignants mobilisés, les pompiers mobilisés, les médico-sociaux mobilisés. Faut nous comprendre ça, camarades. Et faut nous conscient de ça. J'en dis là qu'à rester des derniers morceaux pour nous gagner. C'est les médico-sociaux, les libéraux et le personnel soignant. Nous bien comprenons aussi que l'objectif à nous, c'est de réduire le personnel. C'est de mettre 300, 400 ou 500 mounderos en vie à nouveau, création à nouveau CHU là. Nous bien comprenons que nous avons compte à régler avec Guadeloupe et les dossiers là ça. Nous bien comprenons que nous ne pouvons pas valer et un petit pays à 397 000 mounes qui a osé dire qu'ils n'ont pas d'accord. Et j'en dis là, ils ont fait tout micmac à eux. Ils ont fait un nouveau produit en anglais ici dans même pas monde qui a parce qu'ils n'ont pas qu'à couillonner nous, nous j'accompagne. Et là, journaliste, il y a un nouveau consacré, c'est un nouveau. Et qu'il n'y a pas de RN messager, mais produit-là qui a dit qu'il est là pour stimuler les défenses militaires. Il fait des vétations nucléaires, il n'y a rien là-dedans, c'est même bien là. Et de toutes les raisons, troisième dose là pour vous prendre là, et il va créer désormais le premier appel, obligatoirement sur RN messager. Et attendre si même passé que quand il y a la deuxième dose de rappel l'arrivée pour les gens qui n'ont plus de 80 ans. Alors, au passage, on va prendre une dose de rappel, il ne peut pas y faire partie. Alors ça veut dire que aujourd'hui là, voilà un produit qui a été présenté. Mais un an, comme étant la parade, aujourd'hui là, il transforme en traitement qui aura adapté en fonction des situations. Il faut y avoir été fait gérer nous. Et pour y être arrivé à la situation là, ça, faut nous comprendre ça aussi, puis on arrive à la situation là, ça. Yo choué tout traitement qui est mis. Là, quand je dis yo choué tout traitement, ça veut dire yo méprisé tout traitement. Yo dévalorisé tout traitement qui est existé. Je vois ça, yo fait là au moins annuel, là au Tunisien noir à Madagascar. Yo dit son poison. Alors, pendant des siècles et des siècles, ils ont utilisé contre ça, contre la fièvre jaune, contre la malaria. Et ils ont prouvé, scientifiquement, ils ont créé un médicament à Madagascar, qu'ils ont combattu pour virer qu'ils ont des bons résultats. J'en vois ça, ils ont fait, docteur Henri Joseph, Hervé Zemabic. Ils présentaient, et après ça, ils ont dit, on est tellement pas temps de parler d'eux. Bonjour, vous faites une passage, ça y est passé. Et c'est un pays normal. Normalement, là, le monde a avancé. On a découvert, eh bien, il y aura avec mon argent des robes pour y continuer. J'en vois ça, ils ont fait vers l'hydroxychloroquine, vers la route. Ils ont dit non, ça va bon, ça va bon, ça va bon. Mais avant, ils ont arrêté d'utiliser l'hydroxychloroquine. Eh bien, il y a un protocole au CHU de Pointe-à-Pitre en vigueur depuis le 30 mars 2020 à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Et ils sont venus long, monde. À commencer par le côté long et suivi du fond du brin. Et ils ont tout voué aussi ça, ils ont fait vers l'hiver médecine. Ils ont dit, ils ont médecine pas bon. Et depuis début à l'épidémie là, qui au Mexique, qui en est, ils ont utilisé l'hiver médecine, mais ils ont utilisé incident aussi. Et c'est des centaines de Guadeloupéens qui sont sauvés grâce à ça, qui étaient comorbidité. Et pour justement te permettre, yo, de mettre en avant politique vaccinale à yo, parce que c'est l'objectif à yo. À partir de soigner les gens. L'objectif à eux, c'était de piquer les gens. N'a pas même bité là. Piquer les gens. Et bien, quand ils fait, les camarades disent ils disent les médecins de ne pas prescrire ni d'oxychloroquine,
ni ivermectine. Yo mande les pharmacies de pas vendre. Et pour te assurer yo que les pharmacies pas ni, yo fait en sorte que les gens qui sont pharmaceutiques pas ni ces médicaments là ça. Ce qui fait que celle qui vient de carité, c'est rester à casa au fond d'eau, il prend des longs, il presque respiratoire. Monter là, et si on nous plus de 50 ans, 8e, 9e étage, il y aura piqué, hypnovel, et morphine, et au mort. Et au mort parce que c'est fatal, parce qu'on n'a pas été vacciné. Mais c'est ça qui fait là. Faut pas nous gérer arrêter de répéter ça, camarade. Et si, depuis le 7 décembre, Gabi Clavier convoqué pour menace de mort, ah, c'est quand même ça extraordinaire. Hein? On menace de mort. Normalement, leur menacer de mort, c'est question mais sérieux. Sauf si Gabi n'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'on peut menacer un monde de mort, normalement, il faut mettre mon nom en protection. Mais mon nom qui a l'origine à menacer ça, mais normalement, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas en liberté, mettez-le en côté, marrer parce que ça. Et voilà une affaire qui a fait un quatrième round le 15 mai. Il fait le 7 décembre, il fait le 1er février, après ça il fait le 15 mars, et là il fait le 15 mai. Et après ça, non, de toutes les façons, il faut mettre en délibéré, ça va, c'est ça. Ah non, mais c'est extraordinaire, et pourtant il convoquait pour menace de mort. Et donc c'est des milliers d'euros que le parquet de Pointe-à-Pitre a payé à chaque session pour faire un procès en sorcellerie. Et pour qui le fait? Pour encore une fois diaboliser les syndicats, diaboliser l'ITS-IGTG, diaboliser la CGT-GCHU, diaboliser FO, diaboliser tous les syndicats qui en lutte, diaboliser les travailleurs qui ont osé dire qu'ils n'ont pas d'accord avec l'obligation vaccinale, salir la réputation à les syndicats et à les travailleurs, de façon à ce qu'ils ont fait mon père, mais surtout cacher la vérité. Cacher la vérité sur le fait qu'un malade, ils n'ont pas fait menace, ils ont tué mon nom. Et nous disons ça, d'où vont vos tueurs là? Nous disons ça, d'où vont les juges? Nous avons écrit ça, nous portons plainte. Et nous disons à nous, convoquez-nous, nous portons plainte contre X. Normalement, vous aurez peut-être convoqué nous, écoutez ça, nous disons, nous baillons des pièces à nos prêtres là, et ils ont été vérifiés, ils ont été menés l'enquête. On ne pas dire rien. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas faire pas attendre. C'est pour ça, camarades, nous décider de mettre là en notre dimension et de sortir en pays là, de mettre là pour nous voir avec qui instance nous qualifier. Mais ça nous a demandé, monde qui est ici dans, que la famille aille rentrer là, du bout, et qu'après, au téléphone, pour dire que la famille aille, mais il ne peut pas, il ne peut pas, c'est fini parce que ça paierait de vivre nous pour nous recueillir les témoignages. Parce qu'elle nous a dit, nous a affirmé, nous a réaffirmé, ils ont liquidé mon 8e et 9e étage. Mais c'est ça qu'ils ont fait là. Mais c'est ça qu'ils ont fait là. Et pour te cacher, assassinat avec la ça, eh bien, ils ont poursuivre les militants syndicaux pour outrage. Ils ont poursuivre les militants syndicaux pour menace de mort. Ils ont poursuivre les travailleurs. Ils ont suspendre les travailleurs. Ils ont fait une répression contre les travailleurs. Par les suspensions de contrat de travail et de salaire contre la jeunesse pour les poursuites judiciaires, vous pouvez cacher la vérité. Mais à Yossal, et ils ont fait ça avec complicité à journalistes, ils ont fait ça avec complicité à politiques, ils ont fait ça avec complicité à des cadres administratifs, ils ont fait ça avec complicité à médecins, soi-disant communauté hospitalière. Et donc c'est pour ça qu'il est important, camarades, que nous ne pas j'ai oublié ça et que nous faisons propagande. Nous faisons propagande parce que nous devons être bien comprendre aussi que si nous qui là, nous avons fait meeting, nous avons fait marcher et rappelez-vous, quitter ni couvre-feu, quitter ni confinement, nous ne pas j'ai arrêté faire meeting, nous ne pas j'ai arrêté faire marcher, nous faisons marcher tout partout, gendarme de cancer, nous avons monté, nous avons descendu, nous avons ouvert chemin. Nous faisons meeting tout partout, et Evariste Ortiz dit oui, le 14 août, nous sommes à Bouillante. Alors que nous sommes en pleine épidémie là, nous toujours payons. Et que c'est le fait que nous sommes debout vers les soignants, vers les médico-sociaux, vers les professionnels de santé, qui fait qu'en Guadeloupe, nous toujours sentons-nous libres. Et donc c'est pour ça, au nom de la liberté là, ça, nous demandons tout le monde de faire en sorte d'aller parler avec les voisins à nous.
parler avec la famille, nous parler avec toutes les familles, nous pour dire, nous j'ai fait un bout de chemin là, mais nous pouvons finir. Et quand nous avons besoin de force à tout le monde, nous allons lancer un appel également à toutes les associations à l'eau, toutes les associations d'usagers à l'eau, toutes les associations des mouvements culturels. Nous avons également un appel en direction à toutes les organisations syndicales, publiques, privées, à nous mobiliser, nous, à nous faire en sorte, camarades, qu'à chaque sortie, que nous de plus en plus nombreux, que nous sommes de plus en plus nombreux, que nous mobilisons en l'air toutes les questions qui concernent le pays-là. De façon à ces effets, nous faisons killer et que les décors qui manquent, les soignants, professionnels et salariés, les médico-sociaux, et bien qu'ils ont intégré tout le monde et qu'ils ont retrouvé travail à eux et qu'ils ont baillé au salaire à eux. Camarades, nous sommes capables de faire. Nous j'en fais les trois cas qui restent en dernier 100 mètres à faire. Eh bien, à nous mettre les pieds à nous en calier. À nous lancer la solidarité, à nous faire la solidarité, à nous continuer à faire la solidarité financière, les denrées alimentaires, et à nous mobiliser. Nous, qui là, nous sommes les messagers. À nous porter monnaie. Merci.